Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette lettre aux Éphésiens dans le chapitre 6 du verset 1 au verset 9. Je vous lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font le bon cœur, la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Ici, l'apôtre Paul nous parle du rapport entre les êtres humains, entre premièrement un enfant et ses parents, et inversement, entre esclaves, maîtres, entre patrons, employés. Et qu'est-ce qui nous est conseillé ici? En tant qu'employeur, bien d'être juste envers ses employés, sans abuser de son pouvoir. En tant qu'employé, de travailler pour mon patron comme si je travaillais pour le Christ, même quand il a le dos tourné. Et puis il y a ces rapports parfois compliqués entre parents et enfants. Et c'est sur ces conseils-là que j'ai médité un peu plus profondément. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. On est toutes filles de notre papa et de notre maman. Pour certaines d'entre nous, ça a été vraiment une bénédiction d'être l'enfant de ses parents formidables. Et pour d'autres, ça a été plus compliqué, voire difficile. Et ça l'est peut-être encore. Et ce passage peut paraître peut-être un peu dur, voire même cruel à appliquer, quand il nous est demandé d'honorer son père et sa mère. Creusons ensemble. Il est dit d'abord « Honore ton père et ta mère ». Vous noterez qu'il n'est pas dit « Honore tes parents », mais chacun distinctement, dans un rapport de un à un, en tant que personne unique. Et puis il y a ce verbe « honorer » qui, je dirais, tombe sous le couperet d'un abus de langage qui, en effet, prend bien souvent le sens de « vénérer » ou « adorer ». Et c'est comme si on disait en somme, vénérez vos parents, dites amen à tout ce qu'ils vous disent de faire, même alors que vous êtes adulte. Or, il me semble que ce passage n'encourage pas à faire de mon père ou de ma mère des demi-dieux, loin de là. Quand on regarde le terme hébreu et sa signification, on s'aperçoit en fait qu'il y a des nuances à apporter. Le mot « honorer » veut dire littéralement « donner du poids ». Le poids accordé, estimé à son vrai poids. Il y a comme une notion de justice. Honorer quelqu'un serait en fait reconnaître le juste poids de ce qu'il nous a donné. Alors quand on honore Dieu, effectivement ça revient à le vénérer, à l'adorer, parce que tout ce qu'il nous donne est bon, agréable et parfait. Parce qu'il donne avec un amour parfait. Et c'est même son essence. Il est amour. Mais quand on fait face à l'amour de deux êtres humains, même de bonne volonté, on est encouragé ici à peser ce qu'ils nous ont transmis. Faire une évaluation critique de l'éducation que l'on a reçue. Reconnaître ce qui a été bon, moins bon, voire carrément mauvais ou toxique. Mon encouragement aujourd'hui n'est pas de faire un procès à vos parents, mais de vous dire que honorer son père et sa mère, c'est vous donner peut-être la permission à vous-même de faire le tri dans ce que vous avez reçu. De garder le bon et de vous en réjouir, et de réinventer ce qui était moins bon et de l'aligner à la lumière de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple.
Si un père dit à sa fille qu'elle est un enfant non désiré, ça crée en elle une blessure immense. Une blessure immense dans sa construction, dans son identité et dans la croyance en sa valeur. Quand cette fille comprend finalement que cette parole a été toxique pour elle, elle peut alors la rejeter et la remplacer par cette vérité forte que son Père Céleste, lui, l'a désirée. On voit dans la parole de Dieu, dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'aie formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » On voit encore dans 1 Jean 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et être enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui. J'en reviens à honorer mon père et ma mère. Je veux souligner encore une chose. C'est que ce commandement est accompagné d'une promesse. Pour que tu sois heureuse et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Être alignée avec la vérité de Dieu, oui, nous rendra heureuse. Garder le bon de mon éducation et réinventer le moins bon me permettra en effet de faire mieux, de transmettre mieux, de vivre mieux. Quelle sagesse dans cette parole. Alors je voudrais vous laisser ces quelques questions pour terminer. De quelle manière est-ce que j'honore mon père et ma mère? Est-ce qu'ils m'influencent toujours sans que je puisse faire mes propres choix dans ma vie d'adulte? Ou bien est-ce qu'ils ont simplement cette place de conseiller? Y a-t-il des choses qu'ils m'ont transmises chacun, pour lesquelles je pourrais les remercier? Y a-t-il des choses qu'ils m'ont transmises et que je devrais couper de ma vie, réinventer, changer dans ma vie d'adulte? Y a-t-il un pardon à accorder? Soyez bénis.